Bonsoir, bonsoir à tous ces amis, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, que vous avez passé un excellent week-end et que vous allez passer une excellente semaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit message pour ce soir, en cette soirée. C'est un message avant tout de bienveillance, de réalité. Voilà, comme j'aime le faire, donc hormis la voyance, le tarot, la bienveillance, les messages de soutien, voilà, l'actualité. Moi, j'aime faire des messages. Alors, ce n'est pas un message de moi, c'est un message d'un auteur inconnu, mais je voulais vous le partager. Voilà. Alors, c'est un texte qui parle de la vie au quotidien et je pense que c'est un message important. Je n'ai juste pas envie de me réveiller un beau matin et de me rendre compte que la moitié de ma vie m'a déjà filé entre les doigts. Que le temps de ma jeunesse est loin derrière moi. Et que pourtant, il y a déjà un bon nombre de choses que je regrette de ne pas avoir eu le courage de faire. Je me refuse de me trimballer avec un sac de phrases non dites par peur d'occasions ratées, de projets non aboutis, de rêves brisés en mille morceaux. Et de regrets en tout genre. Et c'est pour cette raison que chaque jour, je me force de me répéter que la vie est courte, fragile et incertaine, et que c'est pour cela qu'on ne peut se permettre de gâcher une seule seconde de celle-ci. Je refuse de perdre mon temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. Je refuse d'avoir des doutes, d'être noyé sous les problèmes, de craindre le regard des autres, de trop penser au lendemain. Je veux me réveiller un jour en constatant que la moitié de ma vie est derrière moi, certes, mais que j'ai regardé en mémoire un flot de souvenirs colorés, de visages chaleureux, de rires mélodieux. Je veux sourire en y repensant, pouvoir me dire que je ne regrette rien, qu'il me reste encore un peu de temps pour accomplir d'autres choses et peut-être plus belle encore en ce à venir. Voilà les amis, c'était un petit message d'espoir, de courage que je voulais partager avec vous. Alors j'ai modifié deux, trois mots. Voilà, il est important de vivre et de profiter de la vie. Ne vous prenez pas la tête, ça ne sert à rien. Vivez pleinement, vivez heureux, faites les choses que vous aimez. Personne ne pourra vous enlever le bonheur que vous choisissez, vous. Et c'est ça qui est important. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie tous du fond du cœur d'être là pour moi. Voilà, mille merci pour tout et de l'amour que vous m'apportez. C'est juste énorme. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Et je vous souhaite encore une fois une excellente semaine.